Bonjour à tous et bienvenue dans notre magnifique atelier d'art, dans notre décor de l'Empire. Voilà, comme à l'accoutumée, nous allons accueillir un artiste qui va s'exprimer. Donc aujourd'hui, c'est un artiste un peu exceptionnel que nous allons accueillir. C'est Marcella. Marcella, nous allons l'accueillir dans notre petit univers. Ah ben je la vois, elle est là. Et Marcella... Marcella, l'amoureux, elle va nous interpréter une chanson. Une chanson qui est plus qu'une chanson, parce que c'est un poème. Voilà, elle va nous interpréter une chanson d'un grand monsieur. Aragon. Voilà, monsieur Aragon. J'ai eu la chance de rencontrer une fois, quand j'étais très très jeune. Voilà, donc cette chanson d'Aragon, en fait, elle a été installée confortablement sur une musique de Léo Ferré. Donc aujourd'hui, Marcella, elle va vous interpréter cette merveille. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis, où je meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens. Tout changeait de pôle et d'épaule, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Olenzerlerne, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle, sur le canapé du bordel, je venais m'allonger près d'elle, dans les hoquets d'un pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Le ciel était gris de nuages, les volées des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons, des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombés sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent. Il est d'autres soldats en ville, et la nuit monte les civils, remet du rimmel à tes cils. Lola, qui t'en ira bientôt, encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, qu'au petit jour, dedans son cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi
que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent comme des soleils révolus. Merci Marcella, merci pour ce magnifique poème. Merci pour ce magnifique poème d'Aragon qui nous a ramenés dans un monde qu'on ne doit pas oublier, le monde de la poésie, du rêve et du talent. Le monde de l'être et non du paraître. Merci Marcella.